Quel enfer. Ah. Pourquoi c'est laid? Non mais ça n'a aucun sens. Non mais franchement, à la... Putain! Tout ce que j'ai à dire. Alors attendez, je mets ça comme ça, comme ça et comme ça. Bonjour! Je remets le générique à chaque fois. En vrai, est-ce qu'il n'y a pas un remix Pokémon Black White Intro Remix? Il est tellement stylé. Bonjour, Moche Drong. Et oui, c'est moi. C'est moi, Moustache Drong. Ah là 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 là, incroyable. C'est terrible. C'est terrible, c'est affreux. Alors là, terrible désillusion toute la soirée, si vous voulez. Merci, Leon King. C'est horrible, je sais, c'est moche. C'est terrible. C'est moche. C'est tellement moche, là, je me vois. Alors, vous savez, c'est... Attendez, je vais couper la musique. Je vous explique, du coup, pour ceux qui ont raté, évidemment. Salut à tous, c'est Philon, j'espère que vous allez bien. Pourquoi Philon n'a plus de barbe, là? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Qu'est-ce qui s'est passé, Philon, dans ta vie pour que tu ressembles à ça aujourd'hui? Eh bien, c'est simple, hein. Samedi, il y avait un stream caritatif et un des objectifs du stream, c'était que si la communauté arrivait à 4000 euros de dons pour Make-A-Wish, eh bien, je me raserais la barbe et je garderais, évidemment, parce que raser la barbe, c'est trop simple. Il faut raser la barbe, mais il faut que ce soit moche. Et du coup, l'idée, c'est... de raser la barbe et de montrer sa belle moustache. Donc en gros là, heureusement là ça recommence déjà à pousser la barbe. Heureusement chez moi la barbe pousse vite. Mais du coup là j'ai l'air d'un vieux plombier, mais bon. Franchement c'est pas très beau, hein. Moi j'aime pas. Hein. Bienvenue dans la troupe plus petite. Ah. Bref, salut à tous, c'est Vidrog, j'espère que vous allez bien. Je porte une moustache aujourd'hui. Et la règle dans Pokémon, c'est que si vous avez fait quelque chose de bien, normalement... Merci beaucoup. Normalement, eh bien, karma positif aujourd'hui, il va se passer des trucs incroyables. Donc en gros, je vous explique aujourd'hui, nous allons avoir l'évolution de DD Poil et de B+Ba, normalement, si tout se passe bien. Et donc, qui dit évolution de deux Pokémon, dit nouveau talent en full random, évidemment. Et je veux y croire, on va avoir des putains de bons talents. Par contre, je sais pas où je suis supposé aller. Ah oui, non, c'est vrai. Ah oui, j'étais revenu en arrière, hein. Attends, pourquoi j'étais revenu en arrière comme un mongol? Ah oui, mais c'est parce que je peux faire ça maintenant. Non, mais non, je veux pas te mettre au chômage, mais attends, voilà quoi. Ah oui, c'est vrai, on était... Ah oui, on était à Illumis! Ah oui, il faut qu'on fasse l'arène et tout, on a plein de trucs à faire aujourd'hui, let's go. Mais c'est pas un double menton, mais arrêtez! C'est pas un double menton, c'est la forme de mon menton, j'ai en fait... Oui, d'accord, pourquoi je porte la barbe? C'est parce que j'ai un menton, en fait, qui est très... qui fait ça, vous savez. Donc du coup, ça fait un effet double menton. J'ai pas de double menton. J'ai pas de double menton, c'est juste que naturellement, comme mon menton fait un relief, ça fait une ombre. Oui, voilà, ça ressemble à un double menton, mais c'est pour ça que normalement, je porte pas ça, putain de merde. Le fossile. Ah merde, le fossile. Hein? Bon, on l'a fait le fossile déjà. Il y avait Porygon dans le fossile. Enfin, voilà. J'ai dit Illumis, c'était Volucité. Bon, ah, écoutez. Allez, on va commencer du coup l'exploration d'Illumis. Let's go. Alors, let's go. Qu'est-ce qu'il y a ici? Game Freak.
Quadruple menton, mais vous êtes pas gentil. Comme ce garçon avec Beatrice. Ah oui, on va faire tout ça, ouais. On va faire tout ça. N'oublie pas de laver tes badges plus petits que toi. Pourquoi tu rougis? C'est lui Zorua, c'est lui Zorua, c'est lui Zorua. Koskyo, mais quoi? Il fallait garder ça pour le quoi? C'est pour la moustache. Mec, mais faut garder ça pour l'élève caritatif. Merci beaucoup, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, plombier porno. Ah putain, c'est horrible, hein, parce que je me vois là en plus. Merci beaucoup Koskyo, merci à tous, putain, c'est ouf. Ah, je suis dégoûté, j'en ressemble à Sergent Garcia, putain. Merci Morgane. Non mais c'est horrible parce que, en fait je vous explique, tout le week-end moi je me voyais pas. Parce que forcément, je me balade pas avec un miroir. Je me balade pas avec un miroir, donc du coup forcément maintenant je me vois là, donc du coup c'est horrible. Merci la barbe de Filong, reviens vite s'il te plaît bébé, tu me manques. Allez, on va l'appeler en l'honneur de la moustache. Allez, oh putain, quel enfer. Ok, 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 ok. Mais arrêtez, en plus c'est raciste. Un objet est peut-être caché. Ah putain, vous m'énervez. Dansefleur, Dansefleur. Oh, et Dansefleur, c'est la place de repos, mais c'est trop bien. Merci beaucoup pour vos dons, les mecs. Merci surtout Koskyo, évidemment. Putain, c'est ouf, mec. C'est trop. Ok, c'est la place de repos. Donc, du coup, en vrai, il y a moyen d'apprendre Dansefleur à tout le monde, là. Oh, ça a 120 de puissance en plus dans cette version. Ah, ils peuvent tous l'apprendre. Oh, qu'est-ce qui se passe, Dansefleur? Et beat en chat, Dansefleur. En vrai, il a déjà Écosphère, c'est stylé. Dansefleur, ça bloque. Bon, on va mettre seulement à beat en chat. Beat en chat, hein, qui est le nouveau Pokémon, hein, je rappelle. Ok. Ok. À la place de canon graine, très bien. Oui, le bug des 5 minutes, on embrasse. Bon, allez, c'est parti. Cette chaussée. La boule à zéro. Ah, c'est bon, là, c'est fini, là, les streams caritatifs, hein. Un peu de mal dans cette ville. Allez. Alors, j'ai faim. Ok. Ok, mec. Je sais, mais j'étais absent et là, égal. Bah, merci beaucoup, Koskyo, c'est ouf. Merci du fond du cœur, mec. Ah oui, les glaces. Ah, c'est fermé. Non, mais bon, j'en ai marre de ressembler à des acteurs nuls. Hein. Ah, la galerie d'art, je n'ai pas le niveau. Aujourd'hui, l'inspiration me vient, je veux peindre un Pokémon de type combat. En aurais-tu un à me montrer? Ah putain, j'ai un Pokémon de type combat, trop bien. Ah, je veux une BP chat. Et ça va me donner quoi, du coup? Une BP chat. Alors, c'est Arty, hein, c'est ça. Hein. Oui, l'arène, on va aller à l'arène. Là, je cherche un peu l'endroit où je vais. Hein. En vrai, ça va. Je trouve. J'avais le souvenir que c'était pire, mais en vrai, ça va. Merci beaucoup, terrible désillusion. Oh! Oh oui! Hey, c'est pas là où il y a Lysandre! Ah bah non, je me trompe de génération. C'est le pouvoir de la musique. Ça me rappelle ma maison et ma maman. Oh! Oh, le stimulant, c'est quoi ça? Oh, j'ai appris stimulant, c'est une attaque de type combat, je crois. Ah non, c'est normal, c'est nul. Merci beaucoup. Ah oui, il y a l'autre qui m'avait jumpscare, là. C'est la galère. Putain, vous êtes inarrêtable, là. Terrible désillusion. Il nous reste une rue à faire seulement. Putain, mais en vrai, ça va vite. Je crois, dans ma tête, c'était beaucoup plus grand que ça, Illumis. Que t'es encore plus bégé maintenant. Mais arrêtez de dire des choses comme ça! Par contre, je crois que je vais devoir aller aux toilettes. Et ça, c'est terrible!
Je suis vraiment désolé. Mais il faut que j'aille faire pipi, j'avais complètement oublié. Il n'y a rien ici, c'est vide. Est-ce que vous saurez patienter en spammant pipi de rong pendant environ 30 secondes? Promis, j'arrive. Je suis vraiment désolé. Il faut que j'aille... Merci à Isuko pour ton don. Putain, attendez. On va faire l'arène. On va à l'arène après. On va à l'arène. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Allez. Ah ben, Chiren, attendez. Je vais faire pipi, j'arrive. Petit passé. J'espère que tu vas perdre le Nuzlocke, gros FDP. Petit passé. Chef. Voilà, j'espère que vous avez bien spammé pipi de rong. Merci beaucoup à tous. Allez, c'est parti. Ça lui crevait le cœur de devoir remettre son badge. Je vais terrasser tous les... Tout le monde me reconnaîtra comme un puissant dresseur. C'est comme ça que je suis né. Mais ça va, calme-toi, gars. Oh, mais il y a Arty. Nom d'un pinceau. C'est toi qui m'as aidé à faire voir toutes les couleurs à la team Plasma. Je t'appelle Fifou. Tu serais venu pour relever le défi de mon arène. Pourrais-tu attendre un moment? J'ai une urgence à régler. On aurait repéré la team Plasma à Volucité. Ok. J'ai tellement mal. Ah, je crois que j'ai le pire type de karma, les mecs. Ah putain, non, c'est horrible. Pourquoi? Merci beaucoup. Merci à tous de votre soutien. C'est ouf votre soutien, mais... Je suis vraiment désolé, mais je crois que j'ai une infection urinaire. J'ai trop mal. Merci beaucoup, mais allez, on va tenir le coup. Ah putain. J'ai perdu les voleurs de vue. C'est pas grave, Iris, tu as fait ce que tu pouvais. Ah oui, c'est elle qui sera la championne plus tard. Non, ça, pour l'instant, c'est la dresseuse, ok. Ils se soutiennent, ils échangent leurs talents. Merci beaucoup pour votre soutien. Très bien, traquons ces villes individus, n'est-ce pas, Fifou? Allez, on va les trouver. Je sais où ils sont. Le champion, mais qu'est-ce qu'il fiche ici? Il est temps de filer. Vite, il faut qu'on le suive. Merci beaucoup. Tu restes avec la demoiselle. Allez, on y va. Ah, merci, grande dinde. C'est vrai que je ressemble un peu à Wario. En vrai, waouh. Ok, c'est où déjà? C'est dans la petite ruelle. Ah, attention. Ouais, je suis vraiment désolé, les mecs. J'ai hyper mal, là. Là, je suis en train de souffrir le martyr, hein. Ça, c'est le pire type de karma. C'est même pas le karma dans le jeu, ça. Ils sont pas dans le bar? Non, pourquoi dans ma tête? Attends, non, mais non, c'est Team Plasma où ils sont dans le bar. Alors, ils sont où, là? Non, mais ça va passer. Ah, il est là, par là! C'est la direction de l'arène! Merci, Mimolette. Ah, ils sont là. Allons-y. Ah, mais c'est pour ça que le bâtiment était vide. Aucun doute, c'est bien ici. Personne, il n'y a personne. Ni aucun des vénérés de cette scène, ni aucun membre de l'équipe. Allez, c'est parti. Bois beaucoup d'eau. Ouais, je sais, mais là, avant que l'eau fasse effet... Un Latias. Ah oui, d'accord. Ok, mais ça va, il est trop bas niveau. Allez, crogivre. Incendie. C'est pas le truc qui a 100% de chance de burn, ça? Si, c'est ça. C'est Inferno, hein. En fait, je sais pas si c'est Inferno. Non, Incendie, c'est une attaque de random de Victini. On sait jamais trop si c'est bien ou pas. Allez, Ptera. Ouh, Ptera. Bon, ça va, il est bas niveau. Ah, on va y aller avec qu'est-ce qui se passe. Oh, putain, c'est chaud. En vrai, c'est chaud, les mecs. J'ai hyper mal. Pour ma communauté, je ne craquerai pas. Il a télécharge. Oh putain, mais on dépasse. Et gicle les dos.
en chouette. Allez, moi je veux faire évoluer des poils là. Prendre ton sec dans de l'eau, oui c'est ça ouais. Non mais en vrai, en général ça passe très vite, c'est juste que là du coup bah c'est le moment où ça fait mal en fait. Reporte le live. Non ! Je ferai mon live. Attends, je vais trouver une position où c'est mieux. Merci beaucoup. Peut-être comme ça ira mieux. Je me mets comme ça. C'est mauvais, il va falloir rebattre en... chaud de piston. Merci beaucoup. Je m'étais perdu, ces explications par vos kits, c'était clair comme du jus de boudin. La type plasma est là. Allez, qu'est-ce qui se passe? On y va, on va les aider. Je suis désolé, merci Phyllis. Merci beaucoup. Arrête le live, c'était pas bien. Non, je tiendrai le coup. Mais ce ne serait pas notre cher champion Arty? Le credo de la team Plasma serait-il le vol qualifié? Je trouvais délicieusement désopilante l'idée de nous dissimuler juste devant une arène. Quel dommage que nous soyons déjà découverts. Peu nous chaud, nous sommes déjà en position d'une retraite. Merci beaucoup. Non mais merci de votre soutien de ouf, mais c'est juste que... C'est l'histoire du dragon blanc aux yeux bleus. C'est Richirome. Parfaitement. Comment faire pour rassembler des peuples divisés dont la seule préoccupation est de se nuire? Le héros apporta la solution, lui qui était parti en requête. Merci beaucoup. Oui, c'est une moustache incroyable. Car lui dispensant son savoir et châtiant sans pitié les rebelles, l'accompagnait sans faillir. Le dragon blanc aux yeux bleus. La seule présence du héros et du dragon et leur formidable force ont pu unifier les cœurs divisés et aboutir à la création d'Unis. Aujourd'hui encore, que le héros et ses Pokémon ressuscitent à Unis pour bouleverser ses cœurs égoïstes. Et le monde dont très humblement je rêve, non, dont toute la Team Plasma rêve, redeviendrait réalité. Cette ville est un kaleidoscope de personnalité, de style de vue plus coloré que ma palette. Pour être honnête, je ne vois pas vraiment quand tu parles. Mais enfin, quelle audace! Je pense pas que ce soit ça, j'ai dû juste pas assez boire ces trois derniers jours. Ces personnes vont s'adresser la parole grâce à leurs Pokémon. Ils combattent, ils échangent, que de possibilités! Merci beaucoup pour vos conseils. Merci beaucoup. Je me suis juré de mieux comprendre les gens. Merci beaucoup. Oui, je suis gros. Ah ah ah, mais n'aurions pas parmi nous un génie tout à fait inattendu. J'ai toujours fort apprécié les personnes à l'esprit vif. Les hommes de grand savoir devenus de toutes les contrées se sont rassemblés pour servir notre roi et se sont nommés les sept sages. Sur ces considérations, nous allons nous retirer par égard à la profondeur de vos réflexions. Rendez à la damoiselle son Pokémon. Putain, mais Getis, en fait, il est sympa, en fait. Hey, Getis, t'es sympa. Merci beaucoup. Ce sont des monstres. Ils volent les Pokémon des gens. Mais ils m'ont rendu mineur et il est sain sauf. Cette amitié qui unit un Pokémon à un humain est très touchante, mais elle n'empêchera pas de ressusciter la légende d'Unis pour libérer les Pokémon du joug imbécile des humains et je frapperai leur âme. La malouf. J'ai mal au cœur. Portez-vous bien et que la paix soit avec vous. Putain, mais le mec, c'est Jésus, quoi! Pourquoi on laisse les méchants partir? En effet. Imagine qu'il les ait fait subir les pires sévices aux Pokémon enlevés. Mais c'est bon, merci. Encore, Iris, personne n'est blessé, j'ai pu retrouver mon Pokémon. Bon, si t'es contente comme ça, la scène est touchante. Mais que devons-nous faire, maintenant? Moi, je sais, j'ai envie de visiter Volucité. Non, mais on va aller à l'arène, là. Iris, ce n'est pas nécessaire. Iris est un dresseur d'exception. Et puis les gens et les Pokémon sont là pour s'entraider. Au fait, merci d'être parti chercher le Pokémon, c'est pour toi. Il me donne une Benanone. Au revoir. Très bien, Fifou, je t'attends dans mon arène. Ah, ça y est, on va faire l'arène. Et ça, c'est quoi? Une boule fumée. Son cœur est au niveau de sa bite. Mais il fallait pas dire, il fallait pas dire. Non mais en même temps, est-ce qu'un mec finalement n'a pas toujours son cœur au niveau de sa bite? Je veux dire, très honnêtement, hein, soyons honnêtes entre... Non mais les mecs, on est entre couilles, on est entre couilles. Ici, on est d'accord, sur internet, il n'y a pas de meuf, donc... Et surtout dans la communauté Pokémon, il n'y a pas de meuf. Donc, clairement, on peut... On met ton bazar dans du riz. Merci ce Doggy Dog. On est d'accord pour dire que le cœur d'un mec, c'est sa bite. Concrètement. Je veux dire, on pense avec quoi? Merci beaucoup. Merci de votre soutien. Est fou ce soir. Merci du fond du cœur. Allez, c'est parti! Ah, mais attends, mais... Ah oui, putain, il avait été changé après. Oh, mais vous savez, je crois que j'ai jamais fait cette arène de ma vie. Ah, oh, c'est trop marrant.
En vrai, c'est trop marrant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, c'est une arène insecte, mais évidemment, on est en full random. Les meufs, ça existe pas. Non, mais les meufs, ça existe pas. Il est bientôt 21h30. Vous avez remarqué comme on fait toujours les arènes à 21h30? Oh, ok. Bastiodon. Ah, mais attends, mais jamais il a... Ah, mais en vrai, j'ai rien pour le toucher. Feu sacré, c'est mon meilleur truc. Oh! Bastiodon déflagration. C'est tellement résistant, ce truc. As-tu essayé de l'éteindre et de la rallumer? Ouais, bah, les mecs, j'ai essayé d'éteindre ma bite, mais ça marchait pas. Non, mais en vrai, cette moustache, c'est terrible. On est d'accord que je dois porter ça jusqu'à ce que ça repousse. Hein. Krabby! Allez, on continue. Moi, je veux level up des poils. Est-ce que... Alors, est-ce que vous pouvez faire genre... J'ai une requête à faire pour mon chat. J'aimerais, pour quelques secondes, quelques minutes, qu'il y ait plein de meufs dans le chat. Alors, s'il vous plaît... Je vous demande, ce soir, s'il vous plaît, de parler comme des meufs, en mettant des UU, des 2.3, s'il vous plaît. Je vous demande, pendant quelques minutes, qu'on fasse genre, qu'on fasse genre. Merci beaucoup. En vrai, il a monté sa défense. Je pense que feu sacré. C'est ça. Attends, on est d'accord, hurle-t-en, c'est à recharge, hein. Ouais, de toute façon, il est mort. Ah, ça y est, il y a des meufs dans le chat. Putain, mais il a électeur maintenant, mais ça va, là. Ah là 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 là. C'est quoi cette idée reçue sur les meufs? Oh là là. Qu'est-ce qu'il m'a fait, là? Ah, la coquille me fait zéro. Ah, mais il a onde vide. Oh. Mais non, mais attends, Zapdos, ça a fait super mal en plus. Ouais, par contre, c'est bon. Oh, la petite feinte, là. Exactement. Tu as raison. Bon, ça ira, les mecs. Merci beaucoup, hein, d'avoir joué le jeu. Mais après, j'ai peur que les gens viennent me dire non mais Fidron, comment tu peux encourager ce sexisme ambiant. Moi j'ai rien dit, j'ai dit faites comme si vous étiez des meufs dans le chat, hein. J'ai pas rien si. Oh. Mais. Suffit ça. Non mais après, en plus vous savez, Sundell va me dire non mais Fidron, t'es vraiment un salaud. En même temps, à force de pisser du sel, il fallait s'y attendre. Ah bah ça irrite, mais là ça va un peu mieux. Franchement, la crise est en train de passer. Mais j'étais trop mal. Merci beaucoup Luzio. J'étais trop mal, j'étais en mode je dois faire mon live pour ma communauté. J'étais dans les toilettes, j'étais en mode même si je suis en train de souffrir, il faut que je fasse mon live. Je ne peux pas les abandonner. Si je ne suis pas là, comment vont-ils faire? Comment vont-ils passer leur soirée? Il ne va pas pouvoir se moquer de ma moustache. Et ça... Ah putain, mais j'avoue... C'est vrai que le combo moustache porn est... Oh! Oh! Appuie sur le bouton. Ah oui, c'est vrai, bah écoute, bon courage à toi. Et puis voilà, hein, on t'envoie beaucoup de soutien si tu te fais opérer. Hé, calme-toi, toi. Bientôt l'évolution.
Merci Spencer G, merci beaucoup. Allez, coup de jus. Oh, et vous imaginez, vous faites opérer de la bite. Vous savez que... C'est quoi l'endroit le pire où tu te fais, où tu peux te faire opérer? Parce que vous savez que moi, je me suis fait opérer des yeux. Donc, il y a beaucoup de gens pour, qui ce serait le pire endroit pour de se faire opérer. Moi, je sais pas, je sais pas où je serais le plus stressé. Merci beaucoup, V, pour ton sponsor, mec. Fais chier. Oh là là. Les... Ah, vous êtes prêts? Le Simia Braise, attention, j'annonce force pure. 100%, je vais avoir force pure. Vous êtes prêts? Le Simia Braise force pure, c'est maintenant. Ouh, putain, eh, ouh. Ah, mais ils font mal, hein. Faut vraiment faire gaffe, hein. L'anus. Pourquoi je rigole, c'est pas drôle. Mais pourquoi ils ont tous onde vide? C'est quoi cette merde? Altaria onde vide, mais il prend zéro en plus. Ah, c'est le cœur, c'est vrai que c'est le stress total. Simia Braise n'est plus calme. Arrêtez, arrêtez, non. On a dit que mon karma était maximal aujourd'hui. Ok, c'est parti. Simia Braise. Attention. Attention. Le Simia Braise des dépoils, let's go. Attention, le Simia Braise, c'est parti. Oh, il est tellement beau, Simia Braise feu sacré. Force pure! Force pure! Il va prendre la scie d'armure! Ah, ce nom. Le pire, c'est la plante des pieds. C'est très nervuré, donc ça fait très mal. Moi, j'ai d'autres choses qui sont très nervurées, vous savez. Bon, ça suffit maintenant. Hein. Attention! Non! 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 Terrible! Désolé! Quoi? C'est sérieux? Mais non! Mais non! C'est comme s'il était mort! C'est comme s'il était mort, mais quoi? Quoi? Mais d'où vous aviez dû en plus? C'est pas passé! C'est pas passé! C'est quoi? C'est une blague! C'est une putain de blague! Mais non! Non! Mon Simia Braise! Mais putain, mais quel enfer! Mais non, mais c'est quoi ça? Mais il est 21h30! J'en reviens pas. Mais putain, mais non, putain, pas absentéisme. Mais c'est le pire talent du jeu. C'est littéralement même début calme et moins pire. Même début calme, c'était mieux. C'est le pire talent du jeu. Le pire. Le pire. Y'a pas pire talent dans ce putain de jeu. Mais non, c'est pas possible. Mais ils m'ont mis un putain de Simia Braise absentéisme. Mais putain. Mais non. Mais on avait dit qu'il y avait du bon. Premier don, vive des dépoils et vive Fifi. Des dépoils. Des dépoils. Merci beaucoup. Mais... Moi je suis oublié, je te suis tous les lundis plus petit que toi. Je me suis fait karma parce que j'ai mal parlé des filles. J'espère que t'aimes ce petit cadeau, Fifi. Mais c'est... On est passé du meilleur truc au pire truc. Bienvenue dans la team Mac en la veste en cuir UWU. Me
veux mourir. Mais c'est pas possible, putain. Mais pas chier, c'est pas chier ça. C'est juste nul. Non mais en vrai c'est chiant. Putain, c'est même pas drôle, ça me fait même pas rire. Mais l'autre il parle là comme un mec Mais arrêtez de dire chier, ça me rend ouf. On se calme. Reste calme, Philon. T'es des poils absentisme. De petit passier. De petit passier. Quel enfer. Je veux mourir. Mais putain, mais mon simia brase. Je veux mourir, putain. Vite en chat qui va prendre piqûre. Oh putain, quel enfer. Bon, je me casse, hein. De petit passier. Merci pour la vie. Mourons, hein. Merci le karma. Bon, il nous reste une chance. Il nous reste une chance. Il nous reste une chance. Il nous reste B plus bas aussi. J'ai la couille qui colle. Oh, oh mais la malchance, putain. Oh putain, mais c'est n'importe quoi. Super. Bah j'ai un Pokémon qui est à peine utilisable du coup maintenant. Putain. Ah bah je suis dans la merde. Mais j'ai pas mal parlé des filles. Merci de vos dons. Vous me rendez triste, putain. Des plus moustaches de Pépé Drong. Ah putain. Bon, j'ai des potions. Bon, on peut encore avoir un bon talent sur Manaf Limit. Et comme ça, on dira que c'est comme si on avait vraiment Manaf Limit. Voilà, on fait comme ça, on dit comme ça. Allez, on dit comme ça. Si B plus bas, elle prend le talent. Mais bon. Vire-le de l'équipe. Non ! Non, on va pas... Non, mais attendez. Les mecs, ça peut devenir une légende avec absentéisme, quand même. Mais normalement, aujourd'hui, c'était karma trop bien, trop positif, parce que voilà, je me suis rasé la moustache, tout ça. Vigorot évolue niveau de 26. Oui, oui, je sais. Mais attends, c'est pas fait encore. Ah, putain. Mais en plus, je veux dire, normalement, ce soir, c'était bon karma. Il n'y a pas de mauvais karma, tu vois. Putain, mais le mec, il a double ammonita. J'ai eu un mal de force violence. D'accord, en bonne sur ma... Oh, putain. Petit passier. J'ai eu la sonde à l'intérieur de ma... Et j'ai pleuré réellement. Oh, oh, putain, mec. Courage. Enfin, bien joué d'avoir tenu ça. Oh, putain, les mecs. Bon, c'est bon. Merci. Oh putain, le Entei. Non mais c'est bon, on one shot. Allez, on va avoir un Manaf Limit surpuissant, les mecs. Vous allez voir, ça va être fou. Pour compenser, on va avoir un Manaf Limit surpuissant. Vous allez voir. J'annonce Manaf Limit protéin. Ça existe pas. Rotichon. Pour l'instant, il a que des faiblesses haut. De petit passier.
Ok. Ok, on peut aller là. Il nous reste un dresseur ici. Ah non, peut-être pas. Donc là, c'est le champion de l'arène. Hein. Ah, donc on va pas avoir Monaf Limite pour le dernier truc, ok. Bon, je vais aller au... Est-ce qu'il y a des pilules talent dans le jeu? Non, c'est la 6G, les pilules talent. Donc, tu peux pas changer de talent, je crois, dans cette version du jeu, hein, on est d'accord, hein. Non, les mecs, on peut pas. On pouvait pas à l'époque. Je suis presque sûr qu'on pouvait pas à l'époque. Non, non, une fois que t'as ton talent, tu as ton talent, hein, tu gardes ton talent. Hein. Non, protéin, ça n'existait pas. Non, la pilule talent, c'est la 6ème génération, les gars, hein, je crois. Hein. Je suis presque sûr que c'est la 6ème génération. Hein. Allez. C'est où, là? Oui, c'est là. Bon, allez, c'est parti. Bon, moi, je dis, les mecs, si on veut que le karma revienne en notre faveur, il faut faire le maximum avec Dédé Poil. Allez, c'est parti. Allez, Dédé Poil, let's go! Mais Pokémon Insecte! Tu mens, tu n'as pas de Pokémon Insecte! Oh non, c'est en double! Oh, par contre, le Giclédo, là. Attends, Giclédo, on est d'accord, ça... Ouais, ça inflige pas de dégâts. Oh, le feu sacré! Le feu sacré de Dédé Poil! Mais le pro... Putain, mais non, mais les mecs, j'aurais eu un Simiabraz avec feu sacré. Ça aurait été tellement beau! Ça aurait été tellement parfait! Oh, il a fait sacré lui aussi! Mais regardez, genre là, je pouvais le tuer! Je pouvais le tuer avec feu sacré, mais là, je peux pas, j'ai absentéisme! Ah oui, là, je pleure ma vie, là. Mais putain, absentéisme! Oula, la baie. Souplesse, ok. Attention, je vais me pas contenter, ok. Donc là, Givrali meurt. On spam Giclédo, hein. T'es large niveau, en niveau... Ouais, ouais, mais ça va vite se baisser, hein, vous inquiétez pas. Allez, Giclédo. Mais là, du coup, c'est pareil, au prochain tour, je suis en absentéisme. Lucio. Je crois qu'il y a mon chat qui vient de faire tomber... Je sais pas ce qu'elle a fait, mais j'ai entendu un bruit de ouf dans ma musique, dans ma maison. Ok, alors, on va switcher. Non! Dédé Poil, tu restes... Non, Dédé Poil reste jusqu'au bout. Dédé Poil reste jusqu'au bout. Non, mais Dédé Poil doit rester jusqu'au bout dans le combat. Vas-y, Dédé Poil, tu peux le faire. Dédé Poil jusqu'au bout. Dédé Poil absentéisme. Ah bah mon dieu, mon pauvre. Oh Canard artichaut, orbe flamme. Ah oui, les objets sont random aussi. Allez, le feu sacré sur le Canard artichaut, orbe flamme. T'as tanké. Oh non, Babil, attention, ça fait mal, ça. Non, Dédé Poil. Vite, tu l'es. Ok, Dédé Poil est très mal, là. Attends, il faut pas que Dédé Poil meure, quand même. Non, Dédé Poil est encore en vie. Merci beaucoup de votre soutien. Ok, Mangriffe. Ah, c'est chaud, hein. Ok, c'est son dernier. Il faut qu'on se soigne quand même. On va mettre une super potion quand même. Non, bah non, c'est un starter. Donc je pense qu'il aura toujours le même talent. Attendez, est-ce qu'en utilisant des objets, on peut cheater le... Oh non, putain, coquillam.
Les mecs, c'est le moment. Ah mais non, mais ça passe pas. Attends. Je veux pas perdre mon Pokémon. On va mettre B plus bas. Je suis pas sûr de le tuer. Je suis pas sûr à 100% de le tuer. Laisse-le crever. Mais non, je le laisse pas crever. Allez, au que se faire. C'est bon. Ok, bon. Au rage, au désespoir, ma muse m'aurait-elle abandonné? Écoute, Artie, c'est moi qui ai été abandonné. Ce tableau n'est pas parfait, il manque ceci, mon badge d'arène. Oui, le thé détox, on fera ça en live juste après. On fait ça en live juste après le live Pokémon. Sur Twitch. Puisqu'il est ton troisième, tous les Pokémon jusqu'au niveau 40, Tauberion au doigt et à l'œil. Oh, point éclair, c'est tellement clean. Ah oui, en plus, c'est sur 20 secs. Ah oui, non, mais attends, sur 20 secs, du coup, ça veut dire que j'ai personne qui peut l'apprendre, presque. Oh merde. Pff, sur 20 secs, c'est une attaque, personne ne sait apprendre sur 20 secs. Ah si, oh, Dédépoil. Dédépoil, il peut apprendre. Point éclair. Oui, mais je crois, en vrai, vous savez quoi, je crois que Dédépoil, il tape plus fort sur le spécial, non? Oui, j'ai un bonus d'attaque spéciale, donc c'est mieux coup de jus. Lave tes badges. Écoutez, on va voir. Par où on sort? Pardon. Je crois qu'il y a mon... Je sais pas ce qu'il fait, mon voisin, il est en train de taper sur son mur. Qu'est-ce qui peut te faire taper sur les murs à 21h44? Lave tes badges. Vous voulez que je souffre, en fait, c'est ça que vous voulez. Vous, de toute façon, vous voulez que je souffre. T'es où? J'aurais envie de me battre contre toi. Mais je m'en bats les couilles de ta life. Je suis une nectareuse, Bianca. Excusez-moi. Je déteste cette meuf. En vrai, je sais pas qui je déteste le plus entre Trovato et Bianca. Je crois que c'est à égalité dans ma tête. Hein. Ok. Ah oh, putain, non. En vrai, Normalize, à la limite, ça aurait été moins pire. En vrai, je sais pas si ça aurait été moins pire. C'est vrai que Normalize, c'est peut-être pire. Allez, c'est parti. Bon, elle est où, l'autre connasse, là? Ah ouais, mais attends, on n'a pas exploré, ça. J'ai pas exploré, là. Ah oui, mais il y a des gens. J'étais un invité à la fête, mais il y a un mec. Vous voulez monter? Oui. Fouille. Vous n'avez rien de suspect. J'ai juste des Pokémon qui peuvent... tuer tout. Oh, il y a une fête! Il y a la fête! Salut à tous les amis! On est let's go! On est tous ensemble aujourd'hui! Putain, il parle dans toutes les langues. Exactement, bien joué. Merci beaucoup. Bon, c'est un peu osef ici, hein. Mais il parle dans toutes les langues, là. Non, mais... Osef, allez. Ta barbe aussi est absentée. Elle est là un jour sur deux. Le Dream World, tu peux changer le talent. Je pense pas que tu pouvais à l'époque. Non, non, tu peux avoir des Pokémon avec le Dream World. Mais... Écoutez... Il faut que je rentabilise. Non mais l'examinateur de nom là. Écoutez, je dois rentabiliser ma Soundbox étant donné que ça me ruine mes sorties une fois sur deux parce que j'enregistre. Vous imaginez si je fais comme ça, genre. Salut à tous, c'est Philon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau match commenté. Oh. Hey, on est tous copains et aujourd'hui on va faire une analyse. De Hector. Putain. Tiens, combat duo bébé. Petit passier. Et moi, tu m'aimes qui pour mon copain? Oui, je t'aime, Théo. Mais pas trop, quand même. Oui. Quand même, les mecs. J'ai enregistré une deuxième vidéo. Vous pensez que je l'ai fait une seule fois?
mais c'est la troisième fois que j'enregistre une vidéo analyse stratégique, comme ça. Je l'ai refait l'autre jour. Je vous jure, je l'ai refait. Je l'ai refait genre jeudi. Bref. Bon alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, j'accélère un peu parce que c'est OZEF, hein. Les petits bâtiments comme ça, là, y'a rien, hein. Ok, allez, c'est bon, c'est fini. Allez! On y va. Je veux que tu meurs! Mais! Elle me fait perdre du temps, en plus! On m'a dit de faire bien attention à pas casser. Je ne fais plus de bêtises. Mais regardez en plus, là, on dirait elle fait une attaque. Oh, mais encore du double. Allez, gicle les dos. Le scientifique... Ah putain, j'ai raté le seul gars qui me donnait un objet. Ah, c'était l'Evoluroc. Ouais, l'Evoluroc. J'irai le chercher plus tard. Coupe. Et gicle les dos. Au déguisement. Non mais Dédé Poil reste dans mon équipe. C'est juste que là je veux entraîner B plus bas pour voir si lui aussi va avoir un talent de merde. Vous voulez qu'on aille voir? Tu pues la merde. Mais regarde, tu pues. J'ai compris quelque chose. Je suis vraiment une merde. J'ai rencontré des tas de gens. Je me plains tout le temps. Quand on m'a volé mon Pokémon, j'étais perdu. Je ne regrette pas d'avoir fait ce voyage. Être avec des Pokémon, c'est trop super important pour moi. Putain, un bon débarras, quoi. La route 4 est tellement longue. C'est ce qu'on dit aussi de ma... Bon alors, c'est parti. Oh, mais non, mais encore un défi, mais... Mais j'en ai marre de vous. Mais putain, mais c'est les pires rivaux de la Voie Lactée. Oh, mais un combat rotatif complètement random. Ouf. Ok, 100% et switch. Oh, il a stampé de sable. Ah non, c'est... Okay. Bon, on fait quoi? En vrai, là, il va switcher. Donc nous aussi, on va switcher. Haha! Oh, cette anticipation de Fildrong. Hein? Oh non, pas Lilliput! Ah mais j'ai faim de 100%. Faim de 100%. Feinte. Hein? Mais il a vol magnétique! Je peux savoir pourquoi lui, il prend pas de dé... Attends... Oh, il a tenté fulmifère. Oh, mais le feu sacré. What? Pourquoi feu sacré fait pas des dégâts bonus à Majaspic? Hein? Attends, quoi? Hein? Mais qu'est-ce qui se passe dans ce putain de match de l'enfer du cul? Mais qu'est-ce qui... Je comprends rien à ce qui se passe! Mais... Ah, il est dragon dans cette version, ok, ouais. Le problème, c'est que s'il me fulmifère, je vais prendre cher, donc il faut pas que je le tue.
Oh, le feu d'enfer qui me brûle à 100%. Eh, ça va être dur, là. Ah, ok. T'es chaud, hein. Bon, il va mourir, il va mourir. Ok. Dédé poil. Lui, c'est bien, là. Coup de jus. Coup de jus, c'est bien, ça tue tout le monde. Oh là là, incroyable! Dédé poil, il a fait armure! Ok. Ok. Oh là, les Dédé poil qui vient, clutch! Non mais en vrai, ils sont durs les combats, putain. Mais non, mais c'est vrai, il a plein de Pokémon en plus! Mais ça va être dur. Ok, la giclée d'eau. Ok. Majaspic est mort. Ok, la distorsion est finie. Ok, là je spam giclée d'eau maintenant. Ah non mais je prends trop cher. Écosphère. Ça fait zéro... Oh putain, c'est résisté. J'ai plus d'attaque. Peut-être Dédé poil. En vrai, Dédé poil, il faut que je mette. Non. Putain, mais c'est chaud du cul, là, ce combat. Quel enfer. Est-ce que je vais avoir la flanque? Ah, j'adore ce jeu. Ok. Allez, coup de jus. En plus, il prend pas... Je sais pas pourquoi ils ont décidé que lui ne prendrait pas de dégâts. Putain, mais je... Mais c'est terrible, là! Non, il est brûlé, lui. Je peux pas. Ok, écosphère. Ok, c'est bon, c'est passé. Comment ça, le karma en approche? Mais j'ai pas assez de karma pour vous, là! Mon Pokémon principal est, ne peut plus rien faire! Allez, onde de choc, c'est pas résisté. Ça fait mal, ça fait mal. Il fait des souplesses nulles. De toute façon, le métamorphe peut rien faire. Enfin, métamorphe a des stats de merde. Donc il peut pas faire grand chose. Oh putain, il faut que je tue le métamorphe, sinon je vais mourir. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Écosphère tue. Oh! Oh! Mon Dieu! Sauvez-moi! Mais regardez ma vie! Regardez ma vie! Comment c'était dur, ce combat? Comment il était dur, ce combat? Comment j'ai fini dans le mal? C'est impressionnant comme toujours. Pourquoi ne puis-je pas gagner? Parce que t'es nul! Moi aussi, je peux obtenir encore plus. Non, mais le Vokit... Laissez-moi jouer! Hello! Vous avez un instant, les jeunes? Oui, professeur Cotelleria. Oh, regardez, j'ai bien fait mes devoirs. Oh, oh là là, vous allez me donner une image? Elle doit être perdue dans ses pensées. Faut que je la recontacte. Je vous attends un peu devant la porte. Mais j'en ai marre! J'en ai marre qu'ils m'attendent sur toutes les putains de routes. Laissez-moi tranquille. Petit passier. Merci. Ouais, on va se soigner, on va se soigner, on va se soigner parce que là, c'est dur. Hein. Éclair gelé, tu double résiste. Ah oui, c'est de type glace, c'est pas de type... Je croyais que c'était de type... je croyais qu'éclair gelé était de type électrique, mais je... Oui, c'est vrai que c'est... Dans ma tête, je sais pas. Ok. Faut qu'en fait, les mecs, il faut que j'arrête de dire machin est fort ou machin est faible. Parce que le problème, c'est qu'à chaque fois que je dis ça, il se passe quelque chose de mal, en fait. Faut juste arrêter de dire des choses pareilles. D'ailleurs, attends. Pourquoi B plus bas a pas évolué? Ah, mais c'est pas lui encore. Ok.
Mais c'est lui avec le multi-ex, là, il est en train de prendre toute l'XP. Bon, après, c'est stylé, mais... En vrai, il a vraiment des attaques de merde, mais bon. Au fond du désert délassant. Oh non, mais putain, c'est vrai, c'est horrible, cette zone. Et vous, Eric Duroc, Porygon 2. Oui, c'est ça. C'est une zone... Non, c'est pas une zone. C'est là qu'on a capturé... Qui on a capturé, là, d'ailleurs? Oui, voilà, j'ai eu Tyrannosif, ici. J'ai eu Tyrannosif. Ah oh, ouais, mais non, mais en plus, c'est trop chiant, ici, parce que t'as les dégâts de la tempête de sable en permanence. Bon, j'accélère un peu, parce que le combat est chiant. En fait, là, j'accélère parce que j'ai envie d'avoir mon... Ok, c'est bon. Paf! Ok. Ok, c'est les mecs! La deuxième chance de la soirée! Ah non, mais... Putain, mais... Allez, là! Ok. Coupe. Meurs. Ok, c'est bon. C'est bon. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? La prière, s'il te plaît, pas de deuxième Pokémon avec absentéisme ou un talent de merde. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Un bon talent, 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 un bon talent. Allez, s'il te plaît, mes plus bas, le retour de mes plus bas. Allez. Il va prendre champ canon, c'est de la merde. Il va prendre enroulement, il va prendre enroulement, c'est tellement fort. À la place de coupe. Ah ouais, je peux pas oublier, merde. À place de feinte. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, mon aflémite. S'il te plaît. S'il te plaît, mon aflémite. Ok, c'est pas grave, les mecs. C'est pas grave, c'est pas un talent de merde. Enfin, c'est pas un talent négatif, ok? C'est un talent de merde, mais c'est pas un talent négatif. Ok, c'est sans doute le talent le plus osef du jeu, ça ne veut rien dire. En gros, voilà, ça ne servira absolument jamais dans ce let's play. Mais, c'est utilisable. Putain, j'ai eu un autre fossile. Pourquoi je fais ça? Attends, on va acheter des bouteilles d'eau, là. Bon, on a pas eu beaucoup de chance, hein. C'est un peu chiant de faire ça comme ça, mais bon. Écoutez, ça aurait pu être tellement pire. Maintenant, j'ai tellement peur que ce soit terrible que ça va. Voilà, j'ai acheté plein d'eau fraîche. Ok. Disons que voilà, Monaflimite, c'est très fort, il a pas besoin d'avoir un bon talent pour être fort. Disons-le comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle me raconte, elle? Un coup de pompe! Ah, oh, parfait! On peut soigner ici, je savais pas. Bon, alors, il y a quoi ici? Je me rappelle plus du tout de ces zones. Oh, hein, des pêcheurs! Le premier B plus bas, il avait quoi, les mecs? Je sais plus. En vrai, en roulement sur ce Pokémon, ça va être insane. Petit passier. Moi, j'aimerais bien avoir un bon stab normal, quoi. Genre une attaque un peu cool, genre force. Mais en vrai, on va l'apprendre, je crois, force. Petit passier. Ah oui, mais c'est type combat dans cette version. Non, sérieux? Mais non. Attends. C'est quoi mon game plan pour Palkia? C'est ça. C'est coupe. Il a gros bisous. Palkia gros bisous, évidemment. Il a matinal. Ah oui, c'est vrai. Tu peux te réveiller, Jean?
Non, putain, je croyais que c'était obligé qu'il serait... Ah, c'est bon, il a fait frappe Atlas. Oh, putain, quel con. Quel mongol. Là, il est obligé de se réveiller, putain. Non, mais... On va changer de Pokémon, hein, je pense, ça me semble bien. Tiens, on va faire le premier combat de Beat en chat. Allez, c'est parti, Beat en chat, tu peux le faire. Premier combat de Beat en chat. Hipporoi. Oh là là, danse fleur, let's go. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais je sais pas, normalement, j'ai un bon karma, quoi, parce que... Je sais pas. Changer de Pokémon. Allez, Dédé Poil. Ça devient tellement plus chiant à cause de ça. Allez. J'ai quand même un Simia Brasse sacré. Même si, d'accord, il peut attaquer un seul tour sur deux. Ça reste un Pokémon fort. Non mais c'est infernal en vrai, c'est infernal ce talent. Je suis obligé, en gros je suis obligé. En gros ce que ça me force à faire c'est que je suis obligé de switcher à chaque fois. Je suis obligé de switcher à chaque fois, j'ai pas le choix. C'est vraiment terrible. Si je reste, en fait je vais mon Pokémon est à la merci de toutes les attaques possibles en fait. Bon bref. T'as jamais un bon karma. Non mais vous avez... Vous avez vu à quel point j'ai jamais de bon karma? Bon, par contre, c'est stylé que... Ok. Regardez, là, on fait enroulement. Regardez, regardez. Ok. C'est pas grave, c'est pas grave. On refait enroulement. Reste calme. Enroulement. Il dort. Tu remets un enroulement et tu le tues. Ok, voilà. Maintenant tu le tues. Voilà, maintenant tu le tues. Il a refait saisie, fils de pute. Ok, c'est bon, il est mort. Il est mort, il est mort. On oublie. C'est horrible. Mais qu'est-ce que j'ai fait, putain? C'est pas grave, je suis à plus 2, je le défonce. C'est bon, facile. C'était pour montrer à quel point il était fort. Tout va bien. Calme-toi, Fifou, c'est ça. Je reste calme. Allez, voilà. Et on a coupe pour finir. C'est bon, c'est fait. Rassurez-vous. Ah non, mais c'est toujours pas fini. Non mais putain, mais... Tiens, Riolu, meurs. Voilà. Avalanche. Non, en vrai, Avalanche, c'est une attaque avec priorité négative. Donc c'est vraiment pas fou. Si ça avait été genre représailles, j'aurais sûrement pris, mais c'est pas le cas. Tu veux mourir, on peut s'arranger UW. Bon, c'était lui mon Pokémon de zone, hein. Je rappelle évidemment, j'en ai un dans les boîtes. D'ailleurs, il faut qu'on trouve un nouveau Pokémon à rajouter, hein. On va nous faire un nouveau Pokémon de zone là. Je trouve... Point d'interrogation... Mais putain. Non mais les mecs, j'ai... J'ai combien de fossiles? J'ai combien de fossiles?
Ouais, c'est les... C'est les pêcheurs qui ont 3000 Magikarp, ouais. Allez, feu sacré. Bon, je vais arrêter de faire des enroulements parce que... Ah putain, mais non, mais attends, mais... Ah putain, j'avais pas fait gaffe, mais en fait, toutes mes attaques sont résistées par Tronchodon. Il me faut vraiment une bonne attaque normale. En vrai, une bonne attaque normale avec feu sacré, c'est nickel. Ou par contre, j'ai les flinch. Allez, Coquillam, pour finir. Ah, mais il faut que je mette B plus bas un peu. Pardon, DD chat. Ah, ça y est, Bitan chat est niveau 36, on va pouvoir l'utiliser. Oh, c'est parti! Oh là là, attention! Le nouveau membre de l'équipe, Bitan chat, c'est vous! Bitan chat, je rappelle, hein, c'est une légende qui va naître là. Ouf. Allez, c'est parti, des poils. Oh là, des poils en avant! Avec son absentéisme. Mais c'est bon, on a coup de jus. En vrai, le but de Dédé Poil, c'est que il one-shot les Pokémon. Si il one-shot les Pokémon, ça va. On va... Allez, on va tester un peu Bitan Chat. Le problème, c'est que pour l'instant, il a une seule attaque utilisable, en fait. Enfin, il a Dansefleur, mais bon, c'est Dansefleur, c'est difficile. T'as eu stimulant tout à l'heure. Ah oui, putain, mais t'as raison, mec. C'est vrai, j'avais complètement oublié. En vrai, je vais apprendre stimulant à Bitan Chat. S'il peut, je l'apprends. À B plus bas. Allez, danse fleur. Pourvu qu'il ait que des Pokémon faibles au type plante. Oh, parfait, mec. Oh là là, regardez. Le danse fleur. Oh, trop bien, il dissipe pour moi. Ça vaudra jamais vite en tronc. Ah, vous pouvez pas prévoir le futur. Hein. Je pense que quand j'ai eu vite en tronc, il y avait plein de gens pour dire ça pourra jamais valoir vite en bois. Et pourtant. Vous pouvez arrêter de spammer ta 6 multi-exp. Je sais que j'ai 6 multi-exp, mais je sais pas pourquoi vous casser les couilles avec le fait que j'ai 6 multi-exp. J'ai 4 Pokémon et ils sont au bon niveau, donc qu'est-ce que vous voulez que je fasse de vos 6 putains de multi-exp? Je sais que j'ai 6 multi-exp. Hein? C'est bon, hein. Ouh, il a intimidation. Ouais, tu dois te débarrasser de coupe, c'est vrai. Je sais pas si ça lui, bon alors t'en as pas besoin, mais je vais quand même répéter le message 76 fois jusqu'à ce que tu lises mon message. C'est très important pour mon accomplissement personnel que tu lises mon message. Alors Fizzronde, voilà mon information. Tu possèdes actuellement environ 6 multi-exp. Corzellement, Jean Romuald du 76. Putain! Ça fatigue! T'as six cheveux! Merci Caillou Sauvage pour ton sub. Caillou Sauvage. Alors, attendez. Des eaux fraîches. Je vais lui apprendre un stab, du coup. C'est quoi, du coup? C'est... Eh, mais j'ai attrition, en vrai. Ça marche, cette attrition, non? Est-ce que je peux l'apprendre? Ah, putain, il peut pas apprendre attrition. Est-ce qu'il peut apprendre stimulant? Ce serait bien, quand même. Au moins stimulant. Ok, il peut apprendre stimulant. Ouais, mais à la place de quoi? En vrai, c'est chaud. Coquillam? Je peux pas oublier coupe, en fait. En vrai, Coquillam, j'en ai pas vraiment besoin dans cette équipe. Il
évidemment, hein, votre but maintenant dans la vie, hein, c'est de spammer, hein, hein. Alors là, c'est même plus... C'est même plus les enfants. Alors en fait, j'ai vu dans le chat de Philo, il spammait le Cibutiest. Et après, Philo, il a dit, hey, c'est super relou quand on dit Cibutiest. Alors, évidemment, je vais l'écrire, je vais écrire Cibutiest. Voilà. Ou alors, t'as 6 cheveux. C'est drôle. Oh, je suis pas vénère, hein. C'est pas vrai. Hein. Allez, on y va. L'important, vous savez, dans la vie, c'est de rester calme. Bon, alors, soignons nos Pokémon et puis on va pouvoir finir cette petite route. Nos oreilles, pitié. C'est pour me venger, c'est ma vengeance. Ok, allez, c'est bon, on a fini le côté. On va pouvoir tranquillement avancer sur la route. Super investissement. Allez, franchement, je suis très fier de cet investissement. Oula. Allez, bite en chat. Montre-nous ta puissance. Il a incendie. Putain, en vrai, c'est dommage qu'il puisse pas apprendre coup de jus. S'il avait coup de jus, ce serait tellement bien. Du coup, j'ai que calcination. Qui a une puissance... En gros, c'est comme puissance cachée. Ah oui, d'accord. Merci. C'est tout pour moi. Bon, allez, bite en chat. Est-ce que tu vas devenir la légende que nous savons tous que tu es ? Gourex. Ah, j'aimerais bien... Hein, quoi ? Pourquoi je peux utiliser... Ah oui, il m'a fait encore. Oui, juste en mode boîte. Astuce force. Il a échangé son attaque et sa défense. Eh ben, super, mon gars ! Oh, c'est vrai, c'était tellement long encore à l'époque. Ok, j'ai plus encore. Danse fleur. Enfin ! Puis donc, c'est très important pour mon accomplissement personnel que tu lises mon message pour que tu saches que j'apprécie beaucoup ton contenu. Merci beaucoup. Armure. Allez, on va... Vous êtes prêts pour Dédé Poil ? On y va. Vas-y, Dédé Poil. Montre-nous ce que tu peux faire, Dédé Poil. Vas-y. Malgré tout ce qui s'est passé. Hop. Le salamèche qui fait du yoga. C'est pour que je reste calme. Il faut que je fasse du yoga. En fait, c'est ça. Il faut que je prenne exemple sur Salamèche. Namasté. Vous savez, depuis que je me suis rasé la barbe, je sais ce que c'est d'être quelqu'un de cool. Et d'ailleurs, à partir de maintenant, ce stream est garanti sans énervement. C'est parti. Le petit Fildrong se baladait dans la forêt. Qu'est-ce qu'il m'a fait, là? Il m'a fait atout. Ah, c'est pas l'attaque qui fait plus de dégâts quand t'as pas de vie. Quand t'as plus de trucs. Pourquoi extrasenseur ne marche pas sur gros tichon? Pourquoi extrasenseur n'a pas fait des... Non, je suis pas frustré. Oh, ah. Et pourquoi gros tichon ne prend pas les dégâts de la tempête sable? Et pourquoi gros tichon n'est pas super efficace sur le type? C'est pas clair. Ok. Il faut rester calme, il faut rester calme. Oh, mais qu'est-ce que tu fais, mec? Ça faisait 2 ans que ça m'était pas arrivé, un truc comme ça. Mec! Mais d'où? C'est la dernière fois que ça m'est arrivé, ce truc, c'était quand? What the fuck, mec? Merci beaucoup, Koskyo. Que fais-tu, putain?
Merci du fond du cœur, mec. Je parlerai de tout ce qui est Donation Goal après, en fait. On va aller sur Twitch et puis on parlera des timings et tout. Merci du fond du cœur. Putain, mais t'es fougue. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup pour vos dons. Putain, mais vous êtes fous! Vous êtes fous, les mecs. C'est insane, en vrai. Merci du fond du cœur. Putain, mais... Vous êtes fous. C'est ouf. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Je sais pas pourquoi... Je sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça, franchement, mais merci beaucoup. Merci, bon samaritain. Il rougit. Mais bien sûr que je rougis, vous savez bien que ça me gêne. Merci du fond du cœur. Est-ce qu'on a... On a qu'une vie. YOLO. S'il te plaît, s'il te plaît. Ok, c'est bon, il a fait possessif, c'est bon. Il aurait pu avoir une attaque haut, et là c'était fini, mais bon. J'aime bien, non mais j'aime bien vivre un peu dangereusement, voilà, je suis comme ça. Bon, n'exagérons pas le YOLO. Allez, gicle les dos. Ah bah moi aussi. Non mais les mecs, soyons sérieux. Team fesses ou team sein? Team fesses. Clairement team fesses. Pardon, excusez-moi, non, c'est vrai que... Ah, avec la moustache, c'est tellement beauf. Je me suis vu en train de dire ce truc. J'ai vu la moustache, je me suis dit... Non, 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 tu n'es pas devenu cette personne, Fildrong. Attendez. Vous savez, moi j'ai toujours dit les fesses c'est supérieur au sort. Ça suffit. Ah, je préfère aucun en fait. Bon, par contre, on passe pas les types dragons. Hein. On a du mal avec les types dragons. Merci beaucoup, Ibra TV. Je viens aussi de me. Ah, bah super. J'en ai environ 67. Bon, maintenant j'ai B plus bas avec une attaque stabée là, stimulant. Merci beaucoup. Allez, on peut spammer les stimulants là. Pac. Bon, j'aimerais bien avoir une meilleure attaque de type normal, mais bon, pour l'instant on n'est pas si mal. Regardez comme il est beau le feu du temps. Te manque la bière. Il manque juste la bière. Mais j'aime pas la bière. Putain, par contre, c'est insane les dégâts de recul. En vrai, cette route, c'est l'enfer. J'avais oublié à quel point cette route était casse-burne. Elle est horrible, cette route. Vraiment, vraiment, cette route-là, avec la... En plus... Merci, les saints. Ah, le fameux Darkrai Racine. Non, mais par contre... En plus, dans cette version... Le gros problème, c'est que ces mecs, tous les dresseurs ont genre 5 Pokémon. C'est le but. La ROM, c'est une ROM plus difficile. Donc, du coup, les combats sont longs du cul. C'est pas là? Attends, non, non. Il faut aller où là? Oh, il avait masque au début calme. Attends, il y a encore plein de dresseurs là. Je dois aller où là? On va mettre B plus bas et on va les déboîter parce que là...
Est-ce que j'ai un Pokémon qui peut apprendre Tunnelier? Putain, mais bite en chat Tunnelier, quoi. Tu me diras, c'est mieux que ce que j'avais, hein. C'est mieux. En vrai, entrave, c'est pas si mal. En vrai, non. Ouais. Ok, il faut que je me soigne. Attendez, il faut que je me soigne. On se soigne. Ok. Allez, on fait les dresseurs. Oui, c'est ça, il y a une zone à gauche. Ouais, il y a une zone à gauche. Ok. Bon, on va accélérer un peu, hein, parce que je vous avoue que là, avec les effets et tout, c'est très long. Donc je sais que c'est un peu moins fun, mais en même temps... comme ça, on va pouvoir avancer, parce que sinon, on n'avancera pas, en fait. C'est ça, le problème. Parce qu'en plus, on les déboîte, mais c'est juste que... Ce qui rend le combat long, c'est les effets à la fin du truc, quoi. Rattentif aussi, il a des buccales. Non, mais attendez, mais ça suffit. Oh. Bon, évidemment, quand le combat est stylé, je laisse. Genre, un Demeteros, c'est quand même assez stylé. Bon, par contre, Demeteros coup de crâne, c'est un peu moins stylé. On est bien d'accord. Call me on Twitter. Thank you. On peut se soigner ici encore ou pas? Ce serait bien. Oh, puissance cachée! Un random puissance cachée! On va essayer puissance cachée sur... On va essayer puissance cachée sur Porygon. On peut avoir une puissance cachée trop bien. Oh, s'il te plaît. Attends, puissance cachée, c'est où? Puissance cachée, ok. À Porygon. Mais c'est parce que c'est tunnel, donc du coup ça marche pas, j'avais oublié, putain! Et voilà pourquoi de mettre les CT en random, c'est nul aussi. Bon, c'est pas grave. Ah, une nouvelle zone, ok. Pokémon de zone, attention, le désert des lassants. Et c'est parti. Pokémon de zone, je... Oh, c'est... C'est pas un Pokémon trop stylé, ça? Genre, gros tichon. Pas du tout, c'est Lanturne. Mais c'est pas mal, Lanturne. C'est bien, Lanturne. Comment ne pas tuer un Lanturne? Ouh, il est choc mental. Lanturne, c'est pas si nul, hein. Le problème, c'est qu'il faut que je fasse très attention avec ma capture, parce que... Ok, bon, ça va, on fait 0. Il a 5 ropen, pour l'instant, c'est de la merde. Ok, maintenant, il faut qu'on le capture. Ok, bah, de toute façon, il m'a confus, donc c'est chiant. Ok. Allez, c'est parti. Balls. Ah bah, Scuba Balls, ça marche sur Lanturne, hein. Ok, super. Faisons ça, hein. Tu vas te suicider! Ne te suicide pas, Lanturne! S'il te plaît! Lanturne! Je mets plus bas de toutes mes forces, Lanturne! Rentre dans ta putain de Pokéball! S'il te plaît! 2, 3, merci! Je me suis un peu stressé. En vrai, c'est stylé, Lanturne! On va l'appeler... Moustache. Moustache. Moustacho. Moustacho. Lanturne, Moustacho le Lanturne. Oh, un Moustacho, non mais évidemment. Oh, comme il est beau. Il est mal poli. Il attaque le feu. C'est de la grosse merde sur Lanturne. Qui est très léger. Est-ce qu'il peut apprendre des bonnes attaques? Genre, Vibra quoi? Il peut pas apprendre Vibra quoi? Est-ce qu'il peut apprendre Danseleur? Oui, il peut apprendre Danseleur. Ok. Est-ce qu'il peut apprendre Coup de jus? Il peut pas. Mais c'est trop de la merde! C'est vraiment de la merde. C'est abusé. Est-ce qu'il peut apprendre point éclair? Il
peut pas apprendre pour éclair. Il peut rien apprendre. Mais oui, parce que ça casse les couilles, ce truc, là. Il peut apprendre puissance cachée. Il peut pas apprendre puissance cachée. Il peut rien apprendre. S'il peut apprendre rebond. Écoutez, c'est compliqué, hein. Putain, il peut rien apprendre. Bon, ok, d'accord. Bah, Lanture n'y rejoindra pas. La moustache ne rejoindra pas notre équipe, hein. Laissez-moi vous le dire. Ah, mais il a mauvais rêve, lui. Bon, allez, c'est parti. Il a délestage. Okay. Ah, mais c'est à toi, c'est encore une nouvelle zone, ça. Attendez, on a encore une nouvelle zone. Allez, c'est parti. C'est parti. Nouvelle zone, nouvelle zone, nouvelle zone. Ouais, c'est ça. Bon, attends, déjà, on va se soigner. Attends, non, c'est une nouvelle zone ou pas? Je crois que c'était aussi le désert délassant, hein, donc je crois pas que ce soit une zone. Ah, merde. Si c'est pas une zone, par contre, c'est terrible. Comme... Moi, je vis... j'ai la vie, c'est la vie que je choisis. Oh, il faut que j'enlève le multi-exp. Ok. Alors, attendez, on va enlever le... Ouais, c'est la même zone, c'est la même zone. Faut que j'enlève le multi-exp. Voilà. Oui, attends, on est... Attends, je vais juste checker, mais c'est bien... Ouais, c'est bien le désert délassant, hein. Oui, c'est ça, faut aller dans le... Ok, la prochaine zone, c'est le... C'est le machin. Je suis venu de loin, hein. Tous ces Pokémon seuls, j'en peux plus. Donc ça, c'est pas des zones. Ok, venez, on va dans le château, j'ai envie de trouver le Pokémon de zone. Bon, on va faire les... On va faire les combats quand même. Avec... qu'est-ce qui se passe? Bon, j'accélère un peu, hein, pour avancer un peu dans l'histoire, parce que... Un peu chiant, sinon... Putain, mais lui aussi, il a demi calme. Il va m'infliger un point de vie. Voilà, un point de vie, j'avais dit. Oui, je sais qu'il y a le château. Je sais qu'il y a le château. Arrêtez de me dire qu'il y a le château. Vous m'avez dit 8 fois qu'il y avait le château. Mais je sais qu'il y a le château. Eh, hey, vous avez vu, on dirait Sneeze quand je parle comme ça. Oh, coup critique. Allez, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là. Ouh. Le type glace qui fait peur. Oh, par contre, l'XP. Ok, on reste. On se soigne. Ok. Allez. Et on va au château. Il y a le château. J'avais dit que j'étais calme, je crois. Hein. J'avais dit que j'étais calme. Non, mais je suis calme, là, en ce moment. Oh, il a anticipation. En vrai, anticipation, en random, c'est trop fort. Je pense. Bonjour, Ludicolo. Oh, j'aurais dû faire le... Bah, putain. Oh, ah, ah. Ouille. Aïe. Calme-toi, Ludicolo. Ok, c'est bon, j'ai compris. On change. On change de Pokémon. On va mettre... Dédépoil. Mais c'est quoi ce Ludicolo, là, hein? Ok. On a feu sacré. Et paf! Non, mais oh. Il fait le fou? Bah voilà.
Il y a 6 châteaux dans ton sac. LOL XPTDR, moi aussi. Merci beaucoup. Ouais, votre soutien ce soir, c'est insane. Merci du fond du cœur à tous, quoi. Surtout Koskyo, mais tous. C'est pas lui, là, les... Je suis touché. Il me donne quoi, lui? Sable doux. Pas mal, sable doux. Mais j'ai pas d'attaque sol. Oh! Oh! Tu peux activer Darumacho comme ça, facilement? Oh, mais attends, mais what? Je me rappelais pas qu'il y avait ça sur la gauche. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dans Black and White, ça? Oh, on est Kiker, c'est bien, ça. Non, mais attends, what? C'est quoi, ça? Ah, c'est le château enfoui, mais c'est seulement un, c'est un endroit bizarre. Pokémon de zone, je ferme les yeux. Oh, c'est... c'est... Exagite. Non, c'est pas Exagite, il n'existait pas. C'est... Shaofuin. Pas du tout. Galam, c'est trop stylé. Merci, le château. Galam, c'est trop stylé. Allez, on part à sport. Vous aimez bien faire cette blague, hein. Vous êtes 300 à faire cette blague, hein. Putain, il a retour sur Galam, putain. Moi, je voudrais retour sur l'autre Pokémon. Ok. Mais ce jeune putain! Je fais un putain de musique. Petit passier. La moustachole de El Paso te sauve, mais confinement, bisous sur la fesse plus petite que toi. Putain, Magma Storm. Un Magma Storm, dans cette version, c'est un peu moins fort. Mais Koskyo, mais arrête! Qu'est-ce que tu fais? Ça fait 500 euros! Putain, mais mec! Merci du fond du cœur, tu es fou! Quel enfer! Merci Koskyo, que fais-tu putain? Putain! Ce live de l'enfer! Putain de merde! En vrai, c'est terrible, quoi. On est passé de notre... On avait un des meilleurs setups pour avoir un let's play de ouf, et on est passé à... Eh, c'est pas si fou que ça, hein. Merci beaucoup, Koskyo. Non, mais votre soutien est incroyable ce soir. Oh, jackpot, trop cool, merci. Comme ça, je vais gagner plus d'argent. L'argent.
Vous vous souvenez de Dédé Poil? Ok, attends. On va se soigner, on va rentrer dans le... Putain, en vrai, c'est terrible. Le Galam, là, il avait l'air trop cool. Bon, il avait tout ou rien, mais... Galam, c'est trop fort. Si t'as un Galam dans ton équipe, c'est trop bien. En vrai, Galam, pour un let's play, il est vraiment très fort. Super. Je peux avancer pour voir si, s'il y a des trucs de l'autre côté ou pas. Il y avait rien en plus. Bon allez, c'est bon. De type passier. Si tu équipes les 6 multi EXP et LFC badge, un Celebi Shiny apparaît. Ah ouais, c'est ça, ouais. Mmh. Oh là là, est-ce que c'est pas le rêve de voir ça? One shot un Keldeo. Ok, bon, j'avoue, je suis allé un peu vite, mais... En vrai, ça y est, là, les niveaux, on commence à plus trop progresser en niveau. Et les niveaux des Pokémon... Alors, je rappelle, c'est basé sur Pokémon Voltoite, hein. Donc, le jeu, la courbe de difficulté monte, hein. Je rappelle, hein. Puis le fait de pouvoir tomber sur des Mew et tout... Il avait Airlock. Mais en vrai, Airlock, c'est fort pour le coup, hein. Sans blaguer, hein, Airlock, ça aurait été fort, hein. Ce genre, du coup, j'aurais pu farmer dans les zones et tout... C'est quand même très fort, hein, Airlock, hein. Ça annule les climats, donc c'est... Au sport! Oh, à la place de parasport, j'ai sport! Oh, j'ai sport! Qu'est-ce qui se passe? C'est tellement fort, j'ai sport! Ça arrive. Oh, regardez. Hop! Bon, par contre, il est plus rapide que moi, hein. Hop! Oh, mais le slip! Instantané! Qu'est-ce qui se passe, la légende? J'ai sport, mauvais rêve! J'ai sport, mauvais rêve, les mecs! J'ai sport plus mauvais rêve! Du coup, je mets des dégâts à la fin de chaque tour. C'est arnaque totale. J'ai un putain de Darkrai. Qu'est-ce qui se passe? Let's go. Incroyable. Oh putain, il a piège. C'est Darkrai, quoi. Non. Oh non. 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 Coup critique. Non. Non. Non, mais je suis trop con, j'ai fait giclée d'eau. Oh. J'ai fait giclée d'eau. J'ai fait giclée d'eau avec 2 PV. Ok, calme-toi. On reste en calme. C'est bon. Ok. Calme-toi, Fidrong. Ah, putain! Le... Comment on appelle ça? Eh, regardez, en 5G, ça marchait de faire ça. Qu'est-ce que c'était horrible. En vrai, il me touchait 5 fois. Et je faisais la même erreur. À mon avis, ça passait pas. Oh là là, par contre, là, le mauvais rêve. J'ai eu 6 PTSD. Et c'est parce que je me suis excité et j'ai fait la mauvaise attaque. Allez, culbutoqué. Il va y avoir du sport. Merci beaucoup. Allez, stimulant. L'ascenseur émotionnel, putain. Putain, mais le bulk. Abusé.
En vrai, si il était mort à cause de mon choke, je crois que j'aurais arrêté Pokémon définitivement. Bon, peut-être pas définitivement, mais... Alors, attends. Non, c'est un... C'est chiant qu'ici, il y ait des Pokémon avec piège, en vrai. Faut faire comme ça, hein. Ouais, c'est ça. C'est tout en sablé, ok. Terrible désillusion. Oh, bah, je prends le potion aussi de plaque. Merci beaucoup, Jeff L, pour ton sub. Donc, alors, attends, je dois aller où? À gauche ou à droite? Je crois que c'est à... ici, hein, je dois aller, hein. Ça change absolument rien. Je me suis pris la tête. Galam, non! Nous avions besoin de toi! En vrai, c'est chaud, il n'y a pas beaucoup de Pokémon de zone, je trouve, dans cette zone. Hein. Vieille ambre! Mais attends, mais je vais pouvoir ressusciter combien de putains de Pokémon? Attends, mais dans le château, on peut rien faire en fait, là, pour l'instant. En fait, je peux rien faire pour l'instant dans le château, c'est juste pour avoir la zone. Ah oui, mais c'est Pyrax à la fin, c'est vrai. Bon, bah en vrai, pour l'instant, je peux rien faire. Hein. Ok. Pour l'instant, je pouvais rien faire d'autre. Bon, ça a fait de l'XP, ça nous a fait un Galam. C'était déjà pas mal. Non, mais attendez, en vrai... Non, mais les fossiles, les mecs... Non, mais on peut avoir combien de fossiles, là? On va avoir combien de Pokémon, là? Ici, dans Black and White 2, c'est là qu'ils ont mis la ville bizarre, non? La ville machin, là. Je sais plus comment elle s'appelle. La ville centre commercial. Oui, c'est ça. Mais attends, mais j'ai combien de fossiles? Je crois que je peux ressusciter 4 Pokémon. Tendez non. Non mais franchement, le coup du sport mauvais rêve, c'est genre le meilleur move. En plus, les mecs, en 5e génération, sport, aucun Pokémon n'y est immunisé, à part les Pokémon qui ont insomnie ou ce genre de truc. Genre, c'est à partir de... Sport était tellement fort, faut bien comprendre ça, sport était tellement fort que c'est en 6e génération qu'ils ont dit que... les Pokémon, genre, les Pokémon de base de type plante sont immunisés aux attaques de poudre. Mais ça a été fait à cause de ça, à cause de la puissance de Spore. C'est vous dire à quel point c'est puissant. Keteler, hello Fifou, par ici. Keteler, Inésia m'a contacté pour me poser 1000 questions sur les Pokémon de type électrique. Je me suis souvenu que vous existiez. Mais quelle salope. Petite surprise pour vous, pour Cheren et pour Fifou, des mémorables. Super, c'est... Ok. Je sais que ça peut sonner farfelu, je vous ai confié la... Profitez bien de votre voyage. C'est vrai. Oui, merci beaucoup. Je dois retrouver Bianca. Nous avons reçu notre premier Pokémon. C'est ce que ma mère m'a dit. Elle est allée voir le Pokémon avec ta mère. Tu vas te calmer tout de suite, Chan. Que devons-nous faire? Capturer des Pokémon sur la route 4? Non, mais t'es ouf, toi. Ah merde, il y a encore une histoire avec la Team Plasma ici. Hé hey papy, on sait que t'es l'hôte de la pension. Tu ne peux rien nous cacher, on est la Team Plasma. Nous arrachons les Pokémon à leurs propriétaires pour leur propre bien. La pension élève des Pokémon, alors envoie-nous les bestioles. C'est quoi ce cirque? Vite, sauve-moi! Aide-moi! Les gêneurs ont leur babote leurs Pokémon. Rubombelle. Non mais qu'est-ce qui se passe en vrai? Insane. Il faut juste... Si j'arrive à avoir Laser Glass sur ce Pokémon, mais alors là, mais c'est fini quoi.
J'enlève l'attaque plante, je mets laser glace, double stab, insane. Va faire les fossiles. On fera ça une autre fois. Petit Fidali Vortex Magma. Mais regardez, putain, par contre ça c'est vraiment terrible, hein. Des poils c'est vraiment dur. Hein. On est passé du meilleur Pokémon au pire, clairement. Genre c'était le meilleur Pokémon de notre team et maintenant c'est le pire Pokémon, largement. Merci pour tout, ne refuse pas ce cadeau. Oh, une bicyclette. Oh, il m'a donné vol. Merci beaucoup, GG la virgule. Oui, c'est ça, merci beaucoup. Attends, vol, est-ce que... Eh oh, Fifou. Une porte d'attraction, plus le métro de combat, et puis j'ai un feu de temps, j'ai... T'imagines qui est... T'imagines le mec qui a écrit un thème pour Bianca? Est-ce qu'il sait pas... Oh non, mais vol, c'est tellement fort dans cette version. Personne peut l'apprendre, mais... Attends, mais du coup, j'ai vol. Attends, du coup, est-ce que je peux utiliser vol ou... Non, je peux pas encore utiliser vol. Non. Est-ce que j'ai un Pokémon qui peut utiliser vol? Je dépose mon Pokémon. Non, j'ai pas de Pokémon. J'ai Viscuse. Personne peut utiliser vol. Il me faudrait un Pokémon qui peut vol. Mais j'ai pas de Pokémon qui peut vol encore. Mais si t'es chauve, avec une moustache et de type acier, t'es un tari énorme. Oh, les CT! Oh, 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 ça y est! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Cogno bidon, bec vrille! Attends, ok. Qu'est-ce qui est intéressant? Ils ont tout changé, du coup. En vrai, c'est pas si ouf. Écosphère, c'est pas mal. Merci du fond du cœur pour ton don, mec. Et oui, je suis du type acier et j'ai le moustache, mais ça ne m'empêche pas d'être un homme. Cogno bidon, c'est un peu risqué, quand même. Bec vrille, tout ou rien, non. Ampleur, choc venin pour aussi cher, c'est un peu de la merde. On va prendre bec vrille, allez. Alors, attendez. On va aller capturer des Pokémon de zone. J'aimerais bien savoir si je peux pas trouver autre chose. Écosphère. On a Écosphère en CT. Ce serait bien... Oh, putain, évidemment. Et l'autre, c'est quoi? C'est Bec Vrille. Bec Vrille, c'est pas fou, hein. Mais non, pas puissance cachée. Bec Vrille. Ils peuvent tous apprendre Bec Vrille. Mais je m'en fous de Bec Vrille. Bon, c'est pas grave. Bon, attendez, on va... Il y a des Pokémon de zone, je crois. Comment on fait... Attends, c'est où les Pokémon de zone? C'est là, hein. Ouais, il y a des Pokémon de zone. Attendez, je veux juste des Pokémon de zone. Je veux pas faire les dresseurs, hein. Je veux juste les Pokémon de zone. Ah, mais j'y coupe. Oh putain, Okroupi. Est-ce que j'ai un Pokémon qui... Oh putain. Vas-y, on peut avoir un Pokémon qui peut apprendre Okroupi, s'il te plaît. Okroupi, attention. 95 de précision quand même, hein. C'est fort, hein. Oh oui, Bitanchat peut apprendre Okroupi. C'est bien. C'est bien parce que ça fait une attaque. Par contre, non mais attendez, mais c'est quoi ce hasard? Regardez, c'est un full random, regardez. Attaque. Plante. Feu plante, feu électrique, et lui, j'ai que des attaques au feu électrique et plante. Ok, Pokémon de zone. Mais attends. Ah ouais, il y a les bois des illusions. Ok. Ok, première zone. Je ferme les yeux. Oh! Non, c'est de la merde. Putain, pourquoi dans ma tête c'était trop bien? Feuilloutan. Ok, c'est pas grave, je le sport. CT3, c'est plénitude. Non, c'est CT4, plénitude. Oui, il y a les herbes foncées sur la zone d'avant, ouais.
On va essayer de capturer Feuilloutan, on fait onde de choc. Ouais, ouais, on va essayer d'avoir un choix, on va essayer d'avoir un choix. Là, je veux un nouveau Pokémon. À la fin de ces deux zones, je choisis un Pokémon pour la team. Allez, onde de choc. Ok, parfait. Ok, allez, là... Oh putain, mais là, on a la capture parfaite, là. Allez, bah, mémoire ball, allez. Allez, B plus bas, c'est parti. 1, 2, 3. Ok, celui-là, on l'appelle... En l'honneur du chat, je veux un nom, un pseudo sur Pokémon Showdown quand t'as 12 ans. Dracofeu... Parce qu'on dirait un ado. Dracofeu... Dracofeu... Du... Dracofeu... C'est quoi le département avec le plus de kéké? C'est quoi le département de Lille? Non, département Nord. Département Nord. Nord, c'est... 59. Dracofeu 59. Parfait. Ok, premier Pokémon de zone. Ensuite. Alors, il y a les hautes herbes foncées. Merde, putain, je vais me taper. Oh, c'est bon. Oh, putain, les esquives. Ah, mais j'ai pas force, donc je peux pas, en fait, les mecs. Bon, ok. Allez, j'ai pas force, donc je peux pas. Allez, allez. Oh, ah, c'est pas Demeteros? Mais non. Oh oui, mais c'est trop bien, escroco. Oh oui, ok, il faut pas que je le rate. Ok, sport. Le problème, c'est que je vais lui faire trop mal. Ok, non, escroco, il va dans notre équipe. Il va dans notre équipe, ce Pokémon. Trop fort. Ok. Jeff L, mais putain, mais arrêtez les dons, c'est terrible. Merde, mec. Merci beaucoup, guillemets double à toi aussi. Ok. Escroco, c'est trop fort. Escroco, c'est vraiment fort. Crocorib, c'est vraiment très fort. On va voir ce qu'il a. Je le mets dans l'équipe. Je le mets dans l'équipe. 100%, je le mets dans l'équipe. Ok, comment il s'appelle? Il s'appelle... Comment il s'appelle? Il s'appelle... Il faut un nom parfait, parce que lui, il va être dans l'équipe. Il faut qu'on l'appelle d'un nom stylé. On va l'appeler... Barbie. Barbie Bob. Putain, mais ce nom du charisme. Barbie Bob. C'est donc toi, je te reconnais. Il a roue de feu, il a picore. Et il a le talent armure magma. Et il peut pas être gelé en vrai. Pourquoi pas. Ah merde, le... Barbie Bob. Putain, mais Barbie Bob. Barbie Bob. C'est BBB. Et Barbie Bob, et vous pouvez le surnommer BBB. C'est BBB. Et vous pouvez dire en mode... comme si, voilà, vous étiez pote avec lui, genre... Ah ouais, non, mais BBB, il est beaucoup trop fort. Ah, c'est BBB, je reconnais. Vous dites des trucs comme ça, genre... Ouais, BBB, BBB... Non, mais BBB, c'est quelque chose de fou. Ok. Non, mais c'est vrai que moi, BBB, c'est un peu mon... C'est un peu mon Pokémon préféré des Let's Play de Fildrung. Ah, et toi, alors, tu apprécies bébé... Oh, putain, sécheresse. Merci, Fulguris. C'est gentil. Qu'est-ce que tu penses de BBB, toi? Bah, écoutez, moi, je pense que BBB, c'est vraiment le meilleur Poké. Oh, c'est trop fort. Ah oui, le talent de Dracofeu 59. Attention. Don floral. Il pue la merde, il a même pas d'attaque utilisable. Bon, par contre, lui, il est bien. Ok, attendez. Qu'est-ce qu'il peut apprendre? Oh, dis-moi qu'il peut apprendre. Oh, ok. Pourvu qu'il puisse apprendre, tunnelier, let's go. Oui. Oui, il a un stab, il a un stab, il a un bon stab. Ok. Ok, il a un bon stab. Qu'est-ce qu'on veut d'autre?
Enroulement, on peut essayer enroulement. Oh, il peut pas l'apprendre. Bon, je crois que personne peut apprendre enroulement. Est-ce qu'il peut apprendre vol? On sait jamais, hein, dans le jeu. Non, il peut pas apprendre vol. Balgren peut-être. Rebond. Begvry. Begvry peut-être, ouais. Begvry, c'est pas... Ok, il peut apprendre Begvry. Je crois que Begvry, c'est abri, en fait. Ok. En vrai, type vol sol, c'est pas si mal. Feu sacré, peut-être. Feu sacré sur toute ma putain de team, parfait. C'est mieux que roue de feu, hein. Non, mais j'ai pas envie d'avoir feu sacré sur tous mes Pokémon. Non, on va renoncer à feu sacré. Moi, je suis comme ça. Moi, je me... J'ai pas envie que ce soit trop facile, tu vois. Est-ce qu'il peut apprendre destruction? Qui peut apprendre destruction dans ma team? Ah bah lui, il peut l'apprendre. Bon, c'est bien comme ça. Franchement, on débute bien, là. Il faut lui mettre le multi-exp. Ah, putain, ça y est. Les gens qui spammaient 6 multi-exp qui peuvent enfin être heureux. Je vais enfin mettre un multi-exp. Regardez, et là vous êtes tous en... Là vous êtes tous en liesse. Vous mettez tous normalement là. Alors, je veux pas anticiper, mais normalement vous êtes tous en train de mettre un pouce bleu là. Vous avez tous mis un pouce bleu. Oh, ça aurait été marrant, j'avoue. BBC, ça aurait été marrant aussi. Mais BBB, c'est pas mal aussi. C'est Big Black Bob. Ok. Bon, et eh ben écoutez, ce fut un épisode plein de rebondissements, hein. Oh putain, mais en vrai, Crocorib, lui aussi, il peut changer de... Il peut changer de talent, en fait, maintenant que j'y pense. Qu'est-ce qu'il va avoir comme talent? Je ne sais pas. En tout cas, on a vraiment absentéisme. Incroyable. Bon, écoutez, merci à tous d'avoir regardé ce live, c'était fou! C'était la folie, c'était la folie. Merci d'être aussi nombreux, c'est trop cool. Franchement, c'est ouf. Merci beaucoup d'être aussi nombreux. Ok, donc, on va passer sur Twitch. Qu'est-ce qu'on va faire sur Twitch? On va faire un des objectifs de live. Alors, ce que je vais faire sur Twitch, c'est simple. Là, mes modérateurs vont vous mettre évidemment le lien de mon Twitch. Sinon, c'est dans la description. Ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va faire le... Oh, Jeff! Mais c'est de la merde ce Pokémon! Mais Jeff, arrête de mettre des guillemets doubles au random! Merci beaucoup! On va faire la demande de partenariat pour le TD Talks. Donc si vous voulez me voir faire des mails à des entreprises de thé pour faire un partenariat sur Instagram, écoutez, bah écoutez, venez. Et puis, pour les autres, je vous fais des énormes bisous. Merci de votre soutien, c'est incroyable, malgré la moustache. Franchement, les mecs, je vous jure, j'ai envie de chialer. C'est vraiment fou. En ce moment, je pense que je suis un peu fatigué. Et j'ai besoin de vacances, donc je suis un peu fatigué. Je pense que je suis un peu émotionnel. Et je suis vraiment en train de... Et du coup, voilà, je vous aime. Merci du fond du cœur, c'est merci juste de me montrer autant de soutien. Puis là, il va y avoir les 300 000 abonnés qui vont arriver. Enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. Je sais pas. Merci du fond du cœur. Et puis, voilà, j'essaie de set up mon live Twitch. Voilà. Bon bref, allez, on se retrouve lundi prochain les mecs, ça ira mieux, je vous fais des énormes bisous, on passe sur Twitch pour ceux qui sont intéressés, et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss, je vous aime les mecs, franchement je vous aime.